Je suis essentiellement contre la mort. Cette phrase est de Peter Thiel. Qui est Peter Thiel? Il s'agit d'un milliardaire américain qui a créé PayPal avec Elon Musk. Il fait partie des transhumanistes. Le transhumanisme, c'est un courant de pensée qui repose sur l'idée selon laquelle la science et la technologie doivent nous permettre d'améliorer l'être humain, d'augmenter ses capacités physiques et intellectuelles, et de transformer la nature humaine pour créer des surhommes, abolir la mort et accéder à l'immortalité. Depuis plusieurs années, les transhumanistes investissent des fonds considérables pour financer les recherches des laboratoires de la Silicon Valley. Mais peut-on se débarrasser définitivement de la maladie, de la souffrance et de la mort? Que pensent les écrivains du rêve transhumaniste? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Selon le philosophe français René Descartes, la technique peut nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Cette phrase tirée du discours de la méthode a donné lieu à de nombreux contresens. Descartes veut dire qu'il faut étudier la nature pour la comprendre parfaitement et s'en servir au mieux. L'adverbe de comparaison « comme » indique que Descartes n'oublie pas que le seul véritable maître et possesseur de la nature, c'est Dieu. Mais, détachée de son contexte, la phrase de René Descartes sert à justifier les ambitions les plus folles, aussi anciennes que l'humanité. Dans la mythologie grecque, le titan Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes, afin de permettre à l'humanité de dominer le monde grâce à la science et à la technique. On parle de rêve prométhéen quand les hommes décident de devenir les maîtres et les possesseurs de la nature à l'égal de Dieu. La technologie permet de contrôler la nature, la société et les individus. Dans son roman « Ravage », l'écrivain français René Barjavel décrit au début une civilisation futuriste qui dispose d'une technologie très avancée. La description du train qui relie l'Europe à l'Asie et le récit des grands travaux qui ont permis cette prouesse technique se caractérisent par une tonalité épique. Et la technologie permet aussi de contrôler les sociétés. Dans 1984, George Orwell imagine un État tout-puissant qui dispose de la technologie nécessaire pour contrôler l'information, la mémoire, et la pensée de chaque citoyen. Les individus sont étroitement surveillés grâce à des télécrans. De plus, certains écrivains imaginent que la science permet de contrôler les sentiments. Ainsi, Villiers de l'Isle-Adam met en scène un ingénieur, Thomas Edison, qui invente un robot à l'apparence féminine et entièrement programmé pour satisfaire les fantasmes d'un aristocrate déçu par l'amour. C'est le sujet du récit fantastique intitulé « L'Ève future » paru en 1886. Le cinéaste Spike Jonze explore ce même thème dans son film « Her » sorti en 2013. Dans un futur proche à Los Angeles, l'écrivain public Théodore tombe amoureux de Samantha, qui est une intelligence artificielle conçue pour s'adapter et évoluer. Enfin, on imagine que les avancées technologiques permettent aussi de contrôler et de modifier l'espèce humaine. C'est ce que décrit Aldous Huxley dans son roman d'anticipation intitulé « Le meilleur des mondes ». Dans ce récit, les êtres humains naissent dans des fermes à embryons qui subissent des manipulations génétiques. La société est ainsi divisée en alpha et bêta d'un côté, destinée au commandement, et en delta et epsilon de l'autre, dont le développement physique limité les condamne à l'exécution de tâches subalternes. La technologie permet ici une organisation ultra-rationnelle de la société parfaitement adaptée aux besoins du marché. Cependant, le fantasme de la toute-puissance technologique a des conséquences très négatives. Qui veut faire l'ange fait la bête. Cette phrase du philosophe et mathématicien Blaise Pascal résume bien le projet transhumaniste. En voulant échapper à sa condition mortelle, l'être humain risque de se changer en monstre. C'est ce que nous apprennent les créateurs de science-fiction. Ainsi, dans l'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam, Thomas Edison propose un véritable pacte avec le diable. En pensant que l'on peut remplacer les femmes par des robots et en croyant que l'âme n'est qu'un logiciel programmable. Le robot créé va entraîner Lord Evald à sa perte. En croyant créer une nouvelle Ève, l'ingénieur se prend pour Dieu. Il est victime de la démesure que les Grecs appelaient l'hubris. Loin d'être une nouvelle Ève, le robot est une nouvelle Pandore qui vampirise Lord Evald et entraîne sa mort. De même, l'organisation ultra-rationnelle qui est décrite dans 1984 de George Orwell, dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou dans Nouvelle vie TM de Pierre Bordage n'est qu'une fausse utopie. Loin d'être un monde idéal, il s'agit à chaque fois du pire monde possible, d'une dystopie.
puisque l'utilisation de la technologie à des fins sociales et politiques entraîne ici l'émergence d'États totalitaires. En manipulant la mémoire des citoyens dans 1984, ou le code génétique dans le meilleur des mondes, les États condamnent les citoyens à vivre sans passé et sans avenir. Les individus ne sont plus que les rouages d'un système qui les dépasse, et dans tous les cas, l'humanité se retrouve dépassée par la technologie. En confiant sa destinée aux machines, l'humanité se prive de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. En voulant transformer génétiquement l'espèce humaine, on ne fait que la déshumaniser et l'aliéner. La science-fiction et la littérature fantastique permettent aussi de prendre conscience de la valeur de l'humanité. Dans Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, le jeune Axel part avec son oncle Lidenbrock en expédition vers le centre de la Terre. Dans une mise en abîme vertigineuse, le lecteur est plongé dans l'imagination d'Axel qui se retrouve dans une caverne à l'intérieur des entrailles de la Terre. Là, le jeune Axel découvre un monde extraordinaire qui lui fait prendre conscience des limites de l'humanité. L'aventure est à la fois géographique, scientifique et spirituelle, c'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Et grâce à une double tonalité, épique et didactique, le lecteur prend conscience que la place de l'être humain est infime par rapport à l'histoire de la vie et de la planète. Le centre de la Terre est aussi inaccessible que Dieu. Aussi, Jules Verne met souvent en scène des savants déterminés qui retrouvent une humanité grâce à l'amour. Ainsi, dans 20 000 lieues sous les mers, le capitaine Nemo est un terroriste misanthrope et anti-impérialiste qui se venge de l'humanité en détruisant les bateaux avec son sous-marin électrique, le Nautilus. Mais dans le roman intitulé « L'île mystérieuse », le capitaine Nemo vient au secours de naufragés et connaît ainsi la rédemption et réintègre l'humanité. Le savant sauve son âme quand il fait preuve d'amour, d'amitié, de fraternité, autrement dit quand il fait preuve d'humanité, quand il accepte ses imperfections. L'humanité est fragile et c'est ce qui fait sa force. Avez-vous bien écouté ? Maintenant, c'est à vous de jouer en testant vos connaissances grâce au quiz, dont le code s'affiche sur votre écran. Vous avez un nombre illimité de tentatives. Profitez-en. Cette vidéo sur les limites de l'humain est à présent terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.